Bonjour, ici Marie-Lou. Je vous souhaite la bienvenue à Télé sans frontières. Télé sans frontières, c'est une émission faite par des jeunes comme moi qui font des reportages sur d'autres jeunes, mais ceux de la rue. Là. Ils font des reportages sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Aujourd'hui à l'émission, on montre l'itinérance au quotidien en suivant un sans-abri pendant 24 heures. On en rencontre d'autres qui sont remplis de talent et on suit un ex-jeune de la rue qui nous fait visiter le salon d'habitation. Mais tout d'abord, un petit portrait attachant de ce qu'on a pas mal tendance à ignorer, les quêteux. Il y a des périodes où la société accepte moins la différence, accepte moins ses marginaux. On est dans cette période-ci. T'appelles ça ton karma, comme ça c'est jamais toi. Il y en a qui pensent que je suis bien-être, ils vont dire c'est nous autres qui te fait vivre. J'ai dit, toi, tu penses que tu me tolères? J'ai dit, moi, c'est moi qui te tolère. Parce que j'ai dit, toi, tu travailles pour des crapules, tu t'accolisses de vie sans te poser de questions. Tu travailles pour des innocents qui salissent les rivières et tout. J'ai dit, c'est moi qui te tolère. Toi, tu me tolères peut-être, mais moi, je suis juste un petit rien quasiment. J'ai quasiment pas de puissance. Mais toi, tu persistes, ça va être puissant. Puis tu prends de la place. On est toujours en olympisme, toujours pour chercher une médaille d'or. On est 7 millions, mais 7 milliards. Comment tu veux qu'on gagne toute la médaille d'or? Ils développent des compétences et des habilités qui relèvent du monde du travail. Simplement, on ne leur reconnaît pas que c'est une expérience qui pourrait être considérée comme un travail. Mais travailler 8 heures debout au coin d'une rue, et être présent 8 heures, c'est un quart de travail. C'est un bon diac, très bon diac. C'est moi qui ai commencé à ouvrir le spot ça, le matin. Puis le monde, ben, à longue, en me voyant, ben, ils me connaissent. Puis qu'ils me donnent tout. Ils me donnent par eux-mêmes les sous et tout. Je demande plus. Merci, madame. J'aime mieux quitter. Je me sens bien mieux à l'aise dans même que d'aller voler. Quelle est la différence entre quelqu'un qui ouvre le guichet puis qui quitte et un portier dans un grand hôtel, si ce n'est l'habit et la présentation de soi? Ils ouvrent des portes. Oui, allô, comment ça va? Good morning, Vietnam. Montréal. Je ne quitte pas. Wow, madame. Non, OK, quand même. Moi, je rouvre la porte de travail. Je la porte-là, je prends ma carte, je m'en sers pour ouvrir la porte aux gens. Parce que la plupart, en hiver, ils l'ont pas dans le vin. Il faut dans le sacoche. Puis ils savent que je suis là, parce que la porte se rouvre automatiquement. Puis, ça, je gagne la vie de même. Je nourris ma femme aussi, là. Ouais. Je suis pas seul, là. Ça, c'est ma douce Renée. Ouais. C'est ma chérie d'amour. Elle vient de se mettre rouge à babine. Ben oui. Ben ouais. On parle pas ça comme ça. Alors, ce que j'ai là, on ne sait pas qui va t'engager, toi. J'ai 53 ans. Puis, il m'a gagné un peu. Puis, j'ai un dossier judiciaire en plus. Moi, je te veux. Oui. Quand on est ensemble, les deux, là, parfait. Consommer comme du monde, là, ça va pas à peu près 8 mois, 6 mois, 8 mois. Même 8 mois, à peu près. Que je consomme plus aucune cocaïne, rien. Ça, c'est de la marre. Ça vient de Satan, ça. Les études vont montrer qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui vivent dans la rue qui ont des problèmes de consommation et de dépendance. Ben moi, je suis d'un système heureux. C'est pour ça que je me tiens sur la bière. Parce que je prends pas de médication. Ils ont voulu me mettre sur des médications. Mais l'Alzheimer, ça se guérit pas. C'est une maladie progressive. Ouais. Puis je sais que ça va devenir de pire en pire. Fait que, tant qu'à être gelé, j'aime mieux être pecté. Vivre dans la rue au quotidien,
Ça demande des anesthésiens. Vous n'avez pas à juger ce qu'il va faire avec. Si sa bière lui sauve la vie pour aujourd'hui, tant mieux. S'il va manger pour aujourd'hui, tant mieux. Je veux dire, c'est pas à nous, je pense, de juger ce qu'il fera de cet argent-là. Qu'importe, tu donnes, tu t'oublies. C'est pas à te demander qu'est-ce qu'il va faire avec. Sinon, ton don, il sert à rien, je pense. Je pense. Discuter 10 minutes avec un itinérant pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu, je pense que ça fait bien plus qu'un don. Puis ça rapporte aussi au donateur, dans le sens que, effectivement, ça lui met une réalité en face qui n'est pas toujours facile à prendre, mais qui existe, puis qui est là. Tant que c'est pas pour s'acheter de la drogue, c'est correct. Il y a des dépanneurs ou un restaurant pas loin qui leur offre à manger. Mais quand ils refusent, ils n'ont pas faim, c'est pour autre chose. Fait que là, je me sens pas coupable à ce moment-là. Là. Est-ce que je pourrais aller boire une bière? Ouais? Ah ouais. Et ça, est-ce que tu le dis aux gens que c'est pour ça? Non. Pourquoi? Je dis que c'est pour aller manger. Ça va continuer. On leur a démenti, si on demande quoi faire, on lui a donné sans poser de questions. C'est vrai que c'est difficile pour les gens de se dire on entretient à la fois les vices et on entretient les problèmes de ces gens-là en leur donnant de l'argent. En même temps, tout citoyen a le droit de faire ce qu'il veut de son argent. Nous aussi, on prend des choses parce que la vie est difficile, donc pourquoi pas eux. Je pense que c'est une des rares libertés qu'il leur reste, c'est de dépenser comme ils veulent. Moi, si je me fais chier à faire un job que j'aime pas, ça sert à rien de blâmer l'autre qui fait pas pareil. C'est moins l'argent qu'on leur donne que l'intérêt qu'on leur porte.